général, le cancer colorectal, qui est un des cancers les plus fréquents actuellement, donc les mieux traités, les mieux connus, est diagnostiqué par gastro-entérologue, qui va pouvoir, par voie endoscopique, découvrir une tumeur, en faire des biopsies, et on a un diagnostic histologique formel de cancer colorectal. À ce moment-là, le cas est souvent déjà adressé au chirurgien, mais de toute façon, ce cas sera présenté lors d'un tumor board, et ça devient indispensable d'avoir des consiliums multidisciplinaires avant de prendre des décisions. Si le cancer est localisé sans métastase, en principe, on commence par une chirurgie. On aura ensuite le diagnostic définitif de la tumeur avec son stade tumoral, qui va déterminer s'il faut faire une chimiothérapie adjuvante ou complémentaire au geste chirurgical ou non.